cède maintenant la parole à Mme Marois. Alors, d'abord, merci d'être aussi nombreux ce soir avec nous. Vous savez, quand ça va bien, on est content d'avoir tout le monde autour de nous. Quand ça va un petit peu moins bien, on est doublement content d'avoir nos amis avec nous. Merci d'être là. D'abord, on a fait une belle campagne. Et notre candidat, Sylvain Roy, il peut être très fier de lui. Bravo, Sylvain. Bravo! Évidemment, je tiens à féliciter tous les candidats qui ont participé à cette campagne et de tous les partis. Mais je tiens aussi à remercier les milliers de Gaspésiens qui ont fait confiance à Sylvain et au Parti québécois. Vous savez, nous sommes partis de loin avec des résultats de 29 % aux deux dernières élections. Aujourd'hui, nous avons fait des progrès par rapport à 2008. Notre part du vote a augmenté de 8 points et celle du Parti libéral a baissé de 14 points. Et dans cette campagne, vous le savez, nous avons dû nous battre contre des fantômes. D'abord, celui de Nathalie Normando. Manifestement, des gens de Bonaventure ont voulu lui faire plaisir une dernière fois. Mais il y avait un autre fantôme dans cette campagne. C'était le chef caquiste. François Legault n'a pas eu le courage de présenter un candidat. Il n'a même pas eu le cœur de se prononcer pour inciter les gens de Bonaventure à battre les libéraux. Peut-être a-t-il voulu empêcher la division du vote fédéraliste. Par son absence et par son silence, François Legault aura été le complice de Jean Charest. Mais je vous dirai que l'essentiel, ce n'est pas cela. L'essentiel, c'est que je suis fière de vous et je suis fière de nous. Je suis fière de tous nos députés. Quelques-uns sont ici ce soir. Je crois qu'il y avait Stéphane Bédard aussi qui n'était pas très loin. Je suis fière de nos députés qui sont venus donner un coup de main pendant la campagne et qui sont venus aujourd'hui. Et il y en a un en particulier qui, vous le savez, a fait campagne aux côtés de Sylvain, qui n'a pas ménagé son énergie. Et c'est notre député gaspésien, Pascal Bérubé. Où es-tu, Pascal? Et puis, il y a nos amis fidèles qui sont toujours à nos côtés quand on en a besoin. C'est un ancien ministre du Parti québécois qui a passé la semaine avec nous. Et je veux dire à Yves Duhaime, un merci du fond du cœur. Où es-tu, Yves? Évidemment, je ne peux passer sous silence l'appui indéfectible de M. Michel Leroy et de la famille de Sylvain, qui est à nos côtés, sa conjointe, son fils et un autre fils qui est rendu à l'université ce soir. L'équipe de bénévoles sur le terrain a été absolument remarquable. Robert Lapointe, président du Parti québécois de Bonaventure, la famille Chapado, particulièrement Jean-Yves et Doris, merci beaucoup. Merci. Voir Richard Adam, qui a mis... Président régional qui a mis aussi la main à la pâte, qui nous a accueillis très généreusement. Vous êtes des hommes et des femmes de conviction absolument admirables. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Alors, il y a les médias qui sont nombreux, qui se sont demandé pourquoi je venais aussi souvent, aussi longtemps faire campagne. Je vais vous le dire ce soir, c'est parce que j'aime les Gaspésiennes et les Gaspésiens. J'ai été reçue avec beaucoup de chaleur. Je tiens à remercier tous les gens de la circonscription de Bonaventure. Est-ce que je peux vous dire que je vais revenir vous voir? Nous avons mené une campagne énergique en mettant des idées sur la table, en donnant tout ce qu'on avait. Nous avons semé la graine de l'espoir pour la prochaine fois. Nous allons continuer notre travail à l'Assemblée nationale, obliger le gouvernement libéral à rendre des comptes. Les libéraux avaient demandé un mandat
pour avoir les deux mains sur le volant. Mais là, on se rend compte qu'ils ont les deux mains dedans. Nous allons continuer à faire notre travail d'opposition officielle. Nous allons continuer à expliquer nos idées. Des idées pour le Québec, des idées pour les Québécois, des idées pour changer la politique, des idées pour bâtir un pays québécois. Je vois Jean-François Fortin qui est à nos côtés aussi. Merci Jean-François d'être avec nous. Ce soir, dans Bonne Aventure, vous pouvez fêter parce que vous avez abattu un travail absolument formidable. Mais ne vous éloignez pas trop. La prochaine fois pourrait survenir rapidement. Nous reviendrons en Gaspésie. Je reviendrai en Gaspésie. Je reviendrai dans Bonne Aventure. Et la prochaine fois, nous gagnerons. Je dis merci, bravo à Sylvain. La prochaine, ce sera la bonne. Bravo!